Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveau LPS. Il s'agit d'un haul, donc tous les pet shops que j'ai achetés ce mois-ci et même un peu avant. Donc je vais vous montrer tout ça, il y en a énormément et c'est pourquoi je vais faire deux parties de cette vidéo. Une partie aujourd'hui avec principalement des chiens et d'autres LPS, et une deuxième partie qui arrive demain sur les chats et tous les autres. C'est parti! Alors je vais commencer par les chiens. Tout d'abord j'ai eu ces deux épagneuls là qui sont assez sales et assez abîmés. J'ai acheté d'autres épagneuls dernièrement, sauf que du coup pour pas que les vidéos soient trop longues j'ai séparé et du coup les prochains chiens vous les verrez dans mon prochain haul qui arrive le mois prochain. Ensuite j'ai eu trois nouveaux huskies. Ce sont que des huskies que Miss Little's Pet Shop m'a envoyé lors du swap. Donc j'ai eu ces deux là qui sont bleus. Mon préféré c'est quand même celui qui est juste ici, je le trouve juste trop beau. Et puis il y a celui-ci qui est hyper simple avec des yeux verts. J'ai eu ce chien là qui est un de mes pet shops un peu de rêve on va dire, parce que celui-ci je le voulais vraiment depuis longtemps et pareil c'est Miss Lisa's Pet Shop qui me l'a envoyé. Ensuite j'ai reçu une petite série de boxers comme ça. Donc ceux-là ce sont les adultes et celui-ci c'est un chiot boxer et celui-ci c'est un chiot qui ressemble beaucoup à un autre que je vais vous montrer juste après. Je sais pas trop si ce sont des boxers, on les appelle juste des chiots. Et donc vous confondez peut-être celui-ci que je viens d'avoir avec celui-ci qui est vraiment pareil sauf que sa couleur est plus foncée. Celui-ci est arrivé bien avant celui-ci qui a un aimant gris. Ensuite, trois pet shops assez populaires, dont celui-ci dont je suis super super fière. Il s'agit d'un teckel type 2 qui a une grosse tête comme ça. Je le trouve hyper joli, ça fait partie de mes préférés de cette forme maintenant. Je la trouve hyper hyper jolie. Ensuite, on a ces deux-là que j'ai reçus donc dans une ouverture de colis pour ce collet. Et celui-ci que j'ai reçu dans le swap qui est le Danois tatoué postcard. Ensuite, j'ai ce petit berger allemand que j'ai commandé il y a beaucoup de temps maintenant. Ensuite, j'ai reçu deux Boston Terriers, dont celui-ci que j'ai échangé avec les petits pet shops, donc allez voir sa chaîne, et celui-ci que j'avais reçu dans le swap. Je pense que c'est le premier de cette forme. Vu son aimant et puis il est assez différent des plus récents. Ensuite j'ai complété mon trio de petits chiots comme ça. J'avais le premier, je vous mets une photo juste ici, qui est tout gris et j'ai reçu ces deux-là. Donc il y en a un que j'ai eu dans un vide-grenier, celui-ci, et lui que j'ai eu lors d'un unboxing. Puis deux pet shops que j'ai eu de la part de Miss Little's Pet Shop lors du swap. Donc ce petit chien papillon, je crois que c'est le premier de cette forme également, et ce Jack Russell qui est super joli. Il est tout propre. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lavé par contre. Donc je suis vraiment contente de ces deux-là. Et puis ensuite, on a trois autres chiens que j'ai eu un peu plus récemment. Donc ce basset-là que j'avais eu lors d'un unboxing. Et puis ce joli lévrier qui est très joli. Et le dernier chien, et après on passe aux autres formes, c'est ce chouchou. Maintenant c'est mon préféré de cette forme, c'est sûr, je le trouve super super beau, j'adore cette couleur, et puis même il a tout 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 de très très beau. Et maintenant on passe au pet shop aquatique. Alors on va commencer avec les Bernard l'Ermite, donc j'en ai eu deux ce mois-ci. Celui-ci que j'adore beaucoup beaucoup, vraiment lui ça va être un de mes préférés pareil dans cette forme. Et celui-ci qui est très vieux, il a un aimant rouge. Et je le trouve vraiment super super joli, il est tout rose, enfin bref, il est trop beau. Ensuite au niveau des poissons, j'ai eu deux poissons scalaires, celui-ci et celui-ci. Donc lui en fait, je le vendais à la base et après je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'avais pas. Tout simplement parce qu'il ressemble énormément à un autre. Et cet autre poisson, c'est celui-ci qui lui ressemble beaucoup, que j'ai depuis très longtemps. Il a juste en fait les pupilles différentes et le rose n'est pas le même. Ensuite j'ai eu deux hippocampes, celui-ci qui a des yeux en autocollant et celui de droite qui est tout jaune, qui est super joli. Donc voilà, je l'aime bien aussi celui-ci. Et dans les aquatiques, décidément, j'ai que des paires, j'en ai que deux à chaque fois. Et donc les deux autres, ce sont des poulpes que j'aime énormément, surtout le jaune. Le jaune, je l'adore vraiment, il est magnifique. Avant, j'aimais pas trop les poulpes, mais depuis que j'ai celui-ci, j'ai changé d'avis. Et puis celui-ci qui est assez simple, qui a des yeux en diamant comme ça. Et un autre poisson que j'ai eu de la part de Miss Little's Pet Shop encore une fois. Il s'agit d'un poisson orange qui est trop 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 beau. Je l'adore, il s'agit des poissons tropicaux.
Et enfin, une tortue de mer, et après on va passer aux autres tortues. Donc c'est cette petite tortue de plage qui est magnifique, je l'adore celle-ci, elle est trop trop belle. Et donc maintenant passons aux tortues, donc notamment cette tortue-là, c'est la seule de cette forme que j'ai eue ce mois-ci. Il s'agit d'une tortue de terre qui est très jolie, elle a un vert qui est assez spécial et différent de toutes les autres tortues, je trouve, qui sont toujours un peu plus ternes. Et j'ai eu des tortues plates, si on peut dire. Donc c'est notamment celle-là qui est super jolie, je ne la connaissais pas avant même de l'avoir. Et celle-ci que j'adore vraiment, c'est une tortue qui est en motif camouflage avec un petit cœur bleu et je trouve trop trop jolie. Et les deux derniers reptiles de ce haul, ce sont deux iguanes qui sont différents, qui sont très très différents même de tous les autres. Donc ils ont tous les deux des couleurs très spéciales, notamment celui-ci. Et celui-ci qui est vert salade un peu, enfin vert pomme plutôt, il est trop trop beau, ça va être une fille pour moi, je l'adore. D'ailleurs pour tout ce qui est des prénoms, vous verrez le débrief en deux parties également. Dans les aquatiques tout à l'heure, j'avais oublié cette baleine là qui est ressemblante à une autre qui a une couleur un peu plus vive. Elle ressemble beaucoup beaucoup à celle-ci qui est à droite, qui a une couleur un peu plus bleu roi, on appelle ça, alors que celle-ci est un peu plus violette. Et celui-ci que j'avais encore oublié décidément, c'est un petit lézard qui est jaune avec des taches oranges et qui est très très original aussi. Et ensuite passons aux animaux de la forêt. En commençant avec les biches, donc j'en ai eu trois. Celle-ci qui est une biche maman bébé, celle-ci que j'ai eu je ne sais plus où et celle-ci j'avais fait un échange avec des ILPS. Elles sont toutes les trois super belles, franchement je suis super contente de les avoir. Son bébé c'est celui-ci que j'ai eu dernièrement, que vous avez vu dans mon dernier haul, si vous voulez le voir il est toujours là. Et puis il y a cette gazelle, donc je sais pas trop si c'est une gazelle ou une biche, mais c'est vrai que vu la couleur de ses cornes on pourrait plutôt croire que c'est une gazelle. Et pour terminer dans les animaux de forêt, même si c'est un peu un animal aquatique, il s'agit d'un ornithorynque, donc mon deuxième, que j'ai eu il y a très peu de temps. Donc j'ai eu le premier également il y a quelques semaines, donc je suis trop contente d'avoir celui-ci. Ensuite passons aux singes et à tout ce qui est sauvage. Tout d'abord ces deux singes là, notamment le postcard que j'ai eu il y a très peu de temps, je l'adore franchement, c'est un réel coup de cœur. Et puis celui-ci qui est trop mignon avec des petits yeux bleus. J'ai eu 3 G4, donc un tapir et 2 paresseux, donc je les ai eus il y a assez peu de temps aussi et vous les avez vus dans une vidéo nouvelle fiche checklist. Donc je les aime beaucoup, ce sont les seuls paresseux qui existent, il y en a aussi en G5 normalement. Puis un petit suricate tout en velours comme ça qui est trop 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 beau. Le mien est en parfait état, il a juste le mécanisme de casser. Je l'avais commandé sur Le Bon Coin celui-ci. Et celui-ci je l'ai eu dans un petit colis eBay. Donc c'est un tatou avec des yeux de G3. Donc ce sont les derniers G2 qui sont apparus, je l'adore, il est juste magnifique. Et ensuite d'autres catégories d'animaux sauvages, donc avec ce lion là déjà. C'est un réel coup de cœur, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté de lion, donc je commence à en avoir pas mal maintenant des lions. Ce chameau, c'est mon premier chameau, je suis trop trop heureuse d'en avoir enfin un. Je sais pas trop combien il en existe, je sais qu'il en existe un en velours aussi. Et ce kangourou, donc mon seul kangourou du mois, c'est un kangourou un peu rose, un peu violet. Je sais pas trop c'est quoi cette couleur, mais voilà, il est assez original. Et avant de passer aux autres pet shops, je voulais vous montrer mes deux autres maxi LPS que j'ai reçus aussi de la part de Miss Little's Pet Shop. Donc celui-ci qui est un boxer, c'est mon deuxième de cette taille en tout cas, et celui-ci qui est un maxi LPS G3 qui fait du bruit. J'ai eu aussi un tout petit porte-clés comme ça, c'est un petit porte-clés chat. C'est mon premier qui a encore l'espèce de petite anse, enfin le porte-clés en lui-même. Donc j'ai deux autres porte-clés mais où il manque la partie en métal, donc celui-ci on peut dire que c'est vraiment mon premier qui est tout entier. Ensuite passons aux oiseaux en commençant par ces trois chouettes, notamment celle-là que j'ai eu très récemment dans un petit colis eBay, c'est une mystery pet, c'est ma première. Celle-ci que j'ai eu il y a assez longtemps et celle-ci qui est très très originale que j'aime trop. Et ensuite passons aux oiseaux plus communs. Donc celui-ci déjà qui est un moineau ou un canari, je sais plus, qui ressemble vachement à celui-ci qui est un cacatoès cette fois-ci. Celui-ci c'était vraiment un oiseau qu'il me fallait vraiment en ce moment, je le voulais vraiment beaucoup. Et j'ai eu également, je sais pas si c'est un cacatoès ou un perroquet,
Mais c'est cet oiseau-là que j'ai eu lors du swap. Il s'agit d'un thirstipet qui venait avec une coque ananas. J'ai eu aussi ces deux gels-là, donc je les ai tous les deux achetés chez une dame qui habitait tout près de chez moi. Je l'ai rue dans le swap, mais ce sont mes premiers de cette forme, donc je suis trop heureuse. Ensuite, j'ai eu une mouette. C'est ma seule de ce mois-ci, donc ça fait ma troisième. Je suis très contente, j'ai eu plein de mouettes d'un coup. Ensuite, j'ai eu deux autruches. Ça s'éloigne un peu du thème qu'il y a derrière, mais j'avais pas trop d'accessoires. Donc déjà celle-là que j'adore, vraiment elle est trop belle. Et puis celle-ci qui est un peu plus simple. Toujours dans les oiseaux, j'ai eu ce paon, donc je me souviens plus du tout de comment on appelle ces pet shops là qui sont venus en fait en sorte de bonus dans les magasins. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que ce sont des bonus pets. Après, j'ai eu ce flamant rose que j'ai acheté également chez la dame qui habite pas loin de chez moi. Donc c'est un flamant rose avec plein de petits picots derrière et j'ai eu la chance de l'avoir en excellent état. Donc je suis trop contente. J'ai eu également un pingouin lors du swap. Donc c'est un pingouin qui existe également en maxi LPS et ce petit canard qui est trop chou. Je l'adore. J'ai eu également un canard hier justement, un canard blanc, mais du coup il sera dans le prochain haul. Et le tout dernier oiseau, c'est ce pivert qui est trop beau. Il me manque plus que deux pivers, donc je suis trop contente. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve demain pour la partie 2 de ce haul. J'espère que ça n'aura pas été trop long malgré la séparation de la vidéo. Dites-moi si le changement de décor derrière vous a plu. J'aime bien faire ça maintenant, mettre des petits accessoires, changer un petit peu. Maintenant que je commence à en avoir un petit peu des accessoires, du coup j'essaye de les utiliser. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !